il a marqué à deux reprises lors du match aller, enfin lors de le week-end dernier face à l'Africa Sport d'Abidjan. C'est lui, Ismaël Diomandé, très attendu. Ah, c'est la bonne surprise, hein, la bonne surprise du côté de la FAD. C'est un joueur, un attaquant véloce qui garde bien le ballon, qui permet à son équipe de jouer. Voilà. Mais en plus de cela, il monte maintenant des qualités de buteur. Voilà, on l'a vu venir doucement, il était sur le banc. Maintenant, il a gagné sa place de titulaire. Je crois qu'il fait, beaucoup de bien à la FAD. Et lui, il fait plus que du bien. Hein. Au milieu, surtout. Allez, est-ce que ça va être sorti proprement ? Non, c'est Manassé qui a bien été lancé par Diomandé. Il a redemandé le ballon. Il y a contact sur Diomandé, même pas de siffler. Le terrain-là de la FAD d'Abidjan, il fait du bien. Armel, alors que c'est Diomandé qui est lancé, il est parti. Diomandé, il a effacé le portier. Le penalty, c'est clair. Obtenu par le jeune attaquant de 15 ans, venu de Lausanne à Bobo, Ismaël Diomandé. Et il est puissant, et il a des qualités de dribble, il a démontré sur ce coup-là. Et il permet à la FAD d'Abidjan d'obtenir un penalty à la 35e minute. Je veux dire que ce garçon est vraiment, vraiment très, très fort, parce qu'il a réussi, voilà, vous voyez, dans la force, dans la percussion, à mettre dans le vent les deux défenseurs de la FAD et après surprendre le gardien qui fait faute, absolument. Mais ce garçon de la qualité, il a de la puissance en lui. Ah, vraiment, il a percuté d'une manière incroyable. Il a pris des vitesses, les deux défenseurs. Malheureusement pour lui. Et le coup de sifflet est parti. Manassé qui a fixé Mustapha. Le penalty transformé par Manassé Ngou. Encore une fois, but par la FAD d'Abidjan dans ce match. Mamadou, attention à ne pas perdre ce type de ballon. Il faut rester vigilant dans les deux côtés. Voici Diomandé Ismaël. Diomandé a eu la faute. Et à la faute, ah, ce sera le pénalty. Déjà le tournant de ce match à juste. Manassé qui ne prend pas un élan considérable. On le connaît pour cela. Il a fixé. Et c'est manqué, Manassé. Il est à son troisième match, deux buts déjà et encore à l'origine de ce pénalty transformé par Ongo Manassé. Oui, c'est un jeune, il n'a que 16 ans. Bon, il a une marge de progression, il faut le laisser travailler. Et ça viendra avec le temps, il ne faut pas brûler les étapes. Qu'on dit lentement mais sûrement. Il aura 16 ans dans quelques mois, il n'y a pas encore 16 ans, 15 ans. Ça reste. Tumbia, Romaric encore. Là, le contrôle de Diomandé Ismaël. Regardez avec quelle aisance il essaie de passer. Quelle aisance il essaie de passer ce défenseur du stade d'Abidjan. La tête de Sila Kalulu, on l'a dit, c'est Ouchan, marocain. Voilà, contrôle encore. Diomandé Ismaël, il est précieux. Hein. C'est quelque chose qui l'a fonctionné, Babou. Il est précieux, il est disponible, il décroche, il permet à ses milieux, à ses défenseurs de le trouver. Et il ne perd pas les ballons surtout, c'est ça qui est bon. Là, il occasionne dans le pire des cas un coup franc. C'est un joueur précieux. Et là, on voit. Il est pratiquement à 5 mètres des buts, il doit pouvoir cadrer ce ballon. Et aussi ce crochet, cette frappe enchaînée du gauche. Mais pour l'instant, les cages restent envolées. Voici un ballon pour Diomandé Ismaël. Diomandé. Face à lui, déposé Timothée. La renversée carrément. Premier mi-temps. Attention, voici justement en bas. Bah, qui est monté. Là, il va s'appuyer sur Diomandé. Passion en Coupe africaine, notamment au niveau de la Champions League. Voici la récupéré par Bah Ibrahim. Tu ne pourras pas passer. Le défenseur de l'Africa, il y aura faute. Pas passer. Pour le capitaine, Ngo Broumanassé. En une touche de balle, le relais avec Diomandé. Diomandé encore, mais là, il va. Blagnongwe, perd ballon perdu. Voici Ismaël Diomandé. Ismaël. Qu'est-ce qui fait du bien à cette équipe, hein, Ismaël. Ismaël, il a vu s'il a vu l'appel de Ibrahim Ba. Et voilà. Ismaël, il a vu s'il a vu l'appel de Ibrahim Ba. Et voilà encore. Il va provoquer. Provoquer, obtenir la faute. Ah oui, oui. Non, il est excellent, Ismaël. Il fait une superbe entrée. Exactement ce qu'il devait faire. Là, il y avait peut-être l'opportunité de jouer avec son partenaire qui faisait un appel, mais il a pris ses responsabilités et il profite de l'appel et il tente de partir. Faites qu'il a juste mieux sa passe. C'est des occasions importantes, c'est des situations importantes de but. Alors gâché comme ça, pas de la nonchalance, c'est dommage. Attention. C'est dommage. Yes. Surtout dans la surface de réparation adverse, mais c'est quand même. Très beau de l'avoir joué. Eh bien, ça cause beaucoup. Et le jeune Diomandé Ismaël, venu de Oza. Mais oui, ça. La FAD qui désormais assiège la moitié de terrain occupé par l'Africa Sport. L'ASM, il va reprendre de la tête. Il faudra faire très attention quand même.
à l'équipe, pour l'équipe, enfin pour les, pour la, l'équipe de la FAD. C'est vrai, magnifique ballon. La frappe de Diomandé. Et ce sera l'ouverture de la marque. La frappe de Diomandé qui ne va laisser aucune chance à Godio Idrissa, qui certes va effleurer le ballon, mais qui ne pourra pas l'empêcher de traverser la ligne de but. Entre ces deux montants, ça fait l'ouverture de la marque. Ils attendaient ce but. Mais quelle prise de responsabilité avec Diomandé Ismaël, qui à cette distance va choisir l'option de la frappe et bien les récompenser. Ça fait un but à zéro pour la FAD d'Abidjan. On va dire que c'est mérité parce que depuis maintenant 5 minutes, l'équipe d'AFAD combinait très bien. Ils arrivaient même à se procurer quelques situations intéressantes. Et puis la frappe de Diomandé en est l'illustration parfaite. On va dire quand même quelle erreur quand même de Godjo, parce qu'il avait la possibilité de la mettre en touche, ou du moins d'éviter ce but. Mais il s'est fait prendre sur le petit rebond qui lui a été fatal. Sans, on va le dire. Oui, il est toujours, il est pas là quand il faut. C'est ça que je regrette. C'est du côté comme ça. Et la qualité de Sissoko Mori. Ah oui, la qualité de son centre aussi était. Et là, voici Grand Bouté, Diomandé qui va résister. Là, se met encore. Oula. Diomandé. Oh là là. Diomandé. Le doublé de Diomandé sur cette glissade. Cette petite glissade de Opoku. Il a été important là. De Opoku Richemont. Et Diomandé a su profiter de cette situation malheureuse pour l'équipe de l'Africa. Eh bien, il va ajuster le portier Ogodio Drissia avec cette frappe du gauche puissante et relancer son équipe à 2 buts à 1. On va dire que ce qu'il vient de faire, Diomandé, et vraiment la graine des stars, puisque ben voilà, il arrive à quand même à ne pas lâcher, même si cette situation était pas au départ pour lui. Il a profité de la glissade de Poku pour battre le gardien Godjo. Alors avec beaucoup de classe et beaucoup de concentration, cette fois-ci il a été à son avantage. Voilà, ça il permet à son équipe d'être au mieux après ce deuxième but. Il était attendu dans ce match. C'est pour ça que Guamene Maxime est allé le chercher. On l'a dit, hein, il est en prêt. Il vient de Oza, Olympique Sport d'Abobo. Abobo, c'est la commune la plus peuplée d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Voilà. Ça va faire plaisir certainement à Oza. Un match de doublé entre celui qu'on aime, le jeune garçon de 15 ans, qu'on aime Diomandinho, côté ouais. FAD d'Abidjan, et puis l'aigle de l'Africa Sport d'Abidjan, avec Guéhi. En Vando, c'est bien joué devant avec Diomandé. Il a eu moins de ballons, le jeune Diomandé. Il va fixer Barizi. Guéhi a été bien sorti. Le terrain, le Camerounais. Beaucoup de bien sur le milieu à Fadis. Avec Diomandé pour Ibrahimba. Ballon levé d'Ibrahim. Kofi dans la surface. Diomandé. Tout ça, c'est bien joué. La frappe de Diomandé. C'est bien sorti. Tout à l'heure. Et voilà, il trouvait super piqué dans la défense. Belle remise. Il laisse passer pour Ismaël qui frappe le ballon. Oh là 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 là, c'est bien joué tout ça. Voilà. Là Ismaël, il frappe son ballon, il rip un peu cette balle. Ah, il le garde bien, il les garde bien ses ballons. Peur Diomandé. Il est bien sorti, Diomandé. Avec Dakouri. Du côté droit qui se termine avec ce centre là. Du côté gauche, c'est bien joué tout ça de côté de là. Sanogo va revenir. Ah, la mauvaise passe de Sanogo. Romaric. Guamark encore qui est passé dans le ballon et là il n'y a pas hors-jeu, c'est récupéré par Mélène. Mélène qui attend du soutien. Mélène avec cette remise qui malheureusement ne sera pas bien exploitée par le nouvel entrant Ismaël Diomandé. Ouais, parce que le ballon est mal donné, voilà, vous voyez, Mélène qui prend son temps, voilà, il met le ballon en arrière, il voit le retour des défenseurs de San Pedro. Ce ballon il est mal donné, il doit être dans sa course. Malheureusement il est mis en arrière. Et là c'est Ekissi. Allez, petit brin de réveil hein, côté AFAD d'Abidjan. Et faute. Bien joué, c'est vraiment bien gardé ce ballon avec le contrôle orienté. Il est rentré pour ça. Je pense que c'est son rôle. Voilà, il s'emmène le ballon, ce petit contrôle orienté. Il oblige les défenseurs de ce way à commettre cette faute-là. Oh oui. C'est Ismaël. Diomandé. Le ballon là. C'est compliqué. Et voilà. Et Ungo Brumanassé. On disait tout à l'heure, hein, cet apport-là, des anciens joueurs à ces jeunes joueurs-là, aujourd'hui. Et puis, c'est
92, oui. C'est la Côte d'Ivoire avait remporté pour oui. la première fois. Bien évidemment. Attention, oh, bien essayé. Il y a ce retourné acrobatique qui a failli surprendre. C'est surtout avec Ismaël Diomandé, le nouvel entrant. Ismaël, tu sais signaler. Il a voulu nous surprendre avec ce geste. Regardez, Eric. Oui, voilà, ce ballon qui est envoyé. Ismaël, tu vois qu'il est un peu dépassé, qu'il tente quelque chose de difficile, un geste acrobatique. Voilà, mais ça pouvait faire mal, ça allait être le but de l'année sans doute. Hein. Moralement, ils ont été touchés, ils essaient de revenir. Malheureusement, ils prennent ces deux buts-là, qui coupent les jambes, ils sont obligés de se surpasser. Ah oui, voici Ngobou Manassé, la passe de Ngobou Manassé, c'est peut-être une balle de but. Il doit la rouler. La frappe enroulée. Ah oui. Ismaël Diomandé a tenté le coup de la feuille morte sur cette frappe enroulée. Il a bien ouvert son pied, malheureusement. Ah, ah, c'est super ce qu'il fait. Voilà, tout de suite, on l'a senti. Hein. On l'a tout de suite vu qu'il allait l'envoyer. Il allait ouvrir son pied, envelopper ce ballon. C'est exactement ce qu'il fait. Malheureusement, ça manque de précision. Mais c'était bien fait. Ça s'est frayé un chemin. Ibrahim, là, avec Ismaël, demandé, et il y aura faute. Ouais, beaucoup de sérénité hein, du côté des bas. Il ne s'affole pas. Il cherche le joueur bien placé pour sortir ce ballon-là. Là, avec le contrôle quelque peu manqué de Diomandé Ismaël, il va se rattraper. Diomandé Ismaël encore. Là, il a décalé sur la gauche pour l'Asme Guillemé. L'Asme, le centre de l'Asme au deuxième poteau. Et Mamadou Bana, on va encore essayer de lancer Ismaël, obligé de sortir l'épaule. Ouais, c'est dommage. Hein, malheureusement, c'est une faute de main. Il fait beaucoup de bien à cette équipe de la FAD qui n'arrive pas à sortir le ballon et qui tout de suite le cherche en pointe. Il arrive à garder ces ballons-là. Il fait énormément de bien à cette équipe de la FAD actuellement. Voilà, malheureusement, il met le bras, il touche le ballon, mais il est encore lui. Il s'est récupéré par la FAD. Traoré Moussa regarde ce contrôle, encore. C'est intéressant ce qu'il réussit là. Diomandé Ismaël avec Traoré Moussa. Traoré, l'accélération de Traoré Moussa. Traoré va décaler l'Asme Guy. Ça reste encore faible. Donc on va essayer de mieux s'appliquer sur l'action prochaine pour essayer de manquer. Ourega également. Frappé au point de pénalty, il y a la tête. C'était bien emmené, mais cette tête va passer juste à côté. Leur tend les bras. Sur le coup franc d'Ismaël Diomandé qui semblait prendre la direction des filets, Nguema a les gants fermes. À 2 minutes du terme de la partie, les Ivoiriens inscrivent un deuxième but, insuffisant pour refaire leur retard du match aller.